Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous pour ce rendez-vous jusqu'à 16h30. Sacré chevalier de l'Ordre National du Mérite par le ministre de la Santé en 2002. Aujourd'hui, mon invité est sans doute le plus célèbre nutritionniste de France. On m'a souvent demandé si c'était mon père, mais non. Intervenant régulier à la télévision et notamment sur C8, il privilégie le bien manger au détriment de la frustration. Auteur de près d'une vingtaine de livres, dont le dernier « Et si on changeait tout » aux éditions First. Vous l'avez compris, Jean-Michel Cohen est en face de moi aujourd'hui, à mi-chemin entre psycho, cadre de vie, bonheur, alimentation. Nous passerons en revue ses conseils et nous verrons si le conseiller est le payeur. C'est en direct sur RadioJ.fr, sur notre Facebook Live et sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. Bonjour Jean-Michel Cohen. Bonjour, ça va ? C'est un plaisir de vous avoir avec moi. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur Radio J pour parler de votre actualité, mais pas seulement, puisqu'on va s'intéresser à vous avec un grand V. Et on va commencer comme toujours par le début. Jean-Michel Cohen, vous êtes né le 22 mai 1962 à Oran, en Algérie, avant d'arriver en France. D'abord, à quel âge vous êtes arrivé ici et où avez-vous grandi ? Je suis arrivé en France à l'âge de 6 ans et j'ai grandi... comme tous les gens qui venaient d'Algérie avec des parents jeunes qui démarraient leur vie à ce moment-là, ils sont arrivés pas fortunés du tout. Donc on a commencé là où on nous acceptait, c'est-à-dire à Champigny-sur-Marne, dont j'ai peu de souvenirs, sauf celle d'une école où on se moquait de mon accent. J'avais un accent un peu prononcé, et donc au lieu de dire rose, je disais rose. Mais par contre, j'avais déjà envie d'apprendre et de faire. Et on a commencé très vite par me faire sauter des classes. Donc je me suis retrouvé, c'est un peu ce que je raconte dans le livre cette fois-ci, je me suis retrouvé à chaque fois dans une situation difficile, parce que mes camarades étaient plus âgés que moi, je devais travailler plus pour obtenir les mêmes résultats alors que j'étais censé être plus doué. Et pourtant, c'était en permanence affronter des difficultés. Après, mon père a trouvé du travail, on est parti à Clichy-la-Garenne. Et là, j'ai vécu une période assez heureuse parce que mon père travaillait juste en dessous de notre appartement, donc je le voyais régulièrement. Alors, il y a de ça, mais il y a aussi d'autres choses. Vous le dites, vous évoluez comme un petit garçon avec ses origines, à Champigny d'abord, mais vous n'êtes pas très heureux, du moins à l'école, car au cours de votre scolarité jusqu'en terminale, vous dites avoir été plutôt persécuté, victime de harcèlement moral, puisque vous aviez non seulement ces deux années d'avance, mais aussi un problème de style, trop bon chic, bon genre pour la période et l'environnement, mais aussi un problème de poids, qui fait que vous n'êtes pas tout à fait comme les autres et qu'ils vous rejettent finalement. Oui, alors le problème de poids aujourd'hui, je peux le comprendre, enfin je l'ai compris par la suite, parce que justement j'étais victime de ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement, mais on n'en parlait pas à l'époque, c'est-à-dire que j'étais un peu le souffre-douleur de mes camarades d'école. C'est assez curieux d'ailleurs comment ça se passe, vous êtes le souffre-douleur de la majorité et vous avez toujours un ou deux protecteurs, qui sont les garçons forts. À l'époque, il y avait un gars qui était beaucoup plus fort que les autres, musclé, athlétique, etc. Lui prenait ma défense parce qu'en fait, il avait pitié de moi. Mais moi, j'étais toujours en décalage avec les autres. Comme j'avais deux ans d'avance et certains deux ans de retard, à l'époque où il y avait un éveil amoureux pour certains, moi, j'étais encore en train de biberonner à la maison et de lire Mickey Parade. Et eux pensaient juste à compter fleurettes à des filles. Et puis, il y avait cette espèce de décalage permanent. Ma mère voulait m'habiller bien, mais elle n'avait pas compris que le style de l'époque n'était pas celui-là. Donc, fini le blazer et les pantalons de flanelle gris, c'était le jean déjà, et moi, j'étais habillé comme un petit lord anglais. En plus, mes parents, qui étaient soucieux de mon bien-être, j'en ris encore aujourd'hui, mon père m'amenait tous les matins à l'école, venait me chercher tous les midis à l'école, me ramenait à l'école, revenait me chercher pour être sûr que leur petit garçon mange bien à la maison plutôt qu'à la cantine, alors que les autres mangeaient à la cantine, qui rigolaient, qui faisaient des blagues, etc. Donc, j'étais en décalage permanent et je grossissais pour compenser, finalement, des douleurs que je ressentais. Alors, on va parler de ça, bien évidemment, puisque ça catalyse beaucoup de choses. Mais donc, plus jeune, vous êtes partisan, et on le voit dans votre livre « Et si on changeait tout », de changer au départ quelques petites choses pour transformer le tout. Vous décidez alors de changer d'école, de procéder à d'autres changements sur vous, mais aussi dans votre assiette, puisque chez vous, à la maison, vous l'avez dit, on mange bien, évidemment, puisque vous êtes d'origine séfarade et que vous consommez nos plats riches qui appauvrissent alors votre assemblée dans la cour d'école. Oui,
C'était un peu ça. Là, pendant que vous parliez, j'étais en train de me remémorer quelque chose d'assez drôle. Alors que j'étais médecin en exercice, déjà avec de la renommée, mon père venait de temps en temps, entre midi et deux heures, m'apporter dans la salle d'attente un plat cuisiné que m'avait fait ma mère, tellement elle était inquiète que je ne me nourrisse pas bien. Ce qui était quand même, j'étais déjà un nutritionniste patenté. Et donc, c'était le début de ma vie, c'était ça. C'est-à-dire que j'ai goûté les joies d'aller à l'école à pied et donc de changer mon physique. Je bougeais, donc je maigrissais un peu plus vite, je ne mangeais pas copieusement comme chez ma mère à la cantine, c'était pas très bon, et puis en plus je m'en fichais, j'étais tellement en éveil de la vie, et progressivement ces petits changements m'ont amené également à un changement profond de personnalité, et j'ai changé mon cadre, c'est-à-dire que j'étais inconnu quand je suis arrivé dans ce nouveau lycée, le lycée Chaptal, et donc les gens m'ont vu de la façon dont j'étais et pas dans ce que je représentais depuis des années dans l'autre lycée. Et ça m'a permis, et là, je me suis envolé, littéralement. Jean-Michel Cohen, est-ce que vous pensez que nos difficultés de jeunesse nous conditionnent ? Ah oui, bien sûr. Est-ce vous qu'elles ont conditionné votre métier ? Bien sûr. J'ai commencé, moi, je me suis mis au régime tout seul à un moment donné, et je l'ai fait assez intelligemment d'ailleurs. Ça veut dire que c'était pas parfait, mais j'avais compris qu'il fallait associer des fibres et des protéines, manger de temps en temps des féculents. Je prenais mon bout de pain le matin. J'avais une source de protéines avec ou des légumes ou un fruit, mais je voulais aller vite. Je faisais du tennis en même temps, donc j'ai fondu littéralement au moment où j'avais mon premier chagrin d'amour, d'ailleurs. Ce qui conditionne. Bien sûr que ça nous conditionne. On vit avec les douleurs qu'on a eues dans le passé. Elles sont toujours présentes. Je le rappelle aussi dans le livre, quand je parle des mauvaises habitudes qui ne s'enlèvent jamais vraiment. Elles sont même localisées dans un endroit du cerveau qu'on appelle les noyaux gris. Et même quand on forme une bonne habitude qui, elle aussi, va se mettre dans le noyau gris, elle n'efface pas la mauvaise habitude. Donc, il reste toujours ces douleurs. Après, on les gère. On les améliore. On suramplifie même les bonnes nouvelles de telle façon à oublier ces douleurs, mais elles existent, donc nous sommes ce que nous sommes au début de notre vie, donc c'est pour ça que je refuse absolument pas ce que j'ai été et mes ascendants, ça a construit un parcours original, j'ai eu un parcours de vie, bon je peux commencer à faire un bilan aujourd'hui, mais original, intéressant, diversifié. Un parcours original que vous avez démarré très tôt finalement, oui. Parce que à 21 ans, vous avez rédigé votre première thèse à l'Université Paris Diderot sous le titre « Les obésités post-grossesse, l'hyperplasie du tissu adipeux ». Vous devenez consultant très tôt, très vite, pour les laboratoires Braun-Bruno. Vous avez développé le principe de soluté hyperprotéinée dans les situations de dénutrition gravissime. Vous avez seulement une vingtaine d'années à ce stade, se dire si le sujet vous intéresse très tôt. Ah oui, j'ai tout de suite su que je voulais être nutritionniste. L'anecdote, c'est quand le premier choix qu'il y a eu en médecine, j'étais dans les meilleurs, donc je pouvais choisir ce que je voulais, et j'ai choisi nutrition avec un O d'exclamation dans l'amphithéâtre où j'ai choisi ça. Personne ne comprenait ce métier. Quand je suis arrivé au bistrot pour expliquer ça à mes copains, ils ont pris un air, une tête d'enterrement, et j'ai tellement été angoissé de les voir que je suis retourné à la fac en disant à la secrétaire que je voulais changer et que j'allais pas faire nutrition, que j'allais faire autre chose. La secrétaire m'a envoyé promener, elle m'a dit c'est trop tard, j'ai envoyé les fiches au rectorat ou au doyen, je ne sais plus quoi, et elle m'a dit tu changeras au prochain stage. Là, je fais la rencontre de Marian Appelbaum, qui est un maître de la nutrition, qui est, après Trémolière, c'est le maître de la nutrition, qui m'a tellement impressionné que j'ai su à la fin de la première semaine que c'était mon métier. Et je venais à peine de commencer. Vous voyez, parfois, quand les gens sont méchants, eh bien, ça conditionne à quelque chose, et puis quand on s'écoute, eh bien, tout va bien. Je ne me suis même pas écouté, ils n'ont pas été méchants, ils étaient simplement, comme j'étais dans les premiers, a priori, je pouvais avoir tous les choix, chirurgie, cardio, tout, quoi. Et le mec demande la seule spécialité qui n'existe quasiment pas. Donc, personne ne comprend dans l'amphithéâtre. Alors, par la suite, vous devenez donc le nutritionniste que vous êtes aujourd'hui. Vous écrivez plusieurs ouvrages, Savoir maigrir, Au bonheur de maigrir, Bien manger en famille, Savoir manger, Le guide des aliments, en collaboration avec Patrick Sérogue et bien d'autres. Et vous êtes auditionné comme expert dans les années 90 par la commission de réflexion sur l'obésité mandatée par le président de la République de l'époque. Vous devenez un ponte contre l'obésité. Est-ce que pour vous, c'est une consécration, Jean-Michel Cohen ? C'est une évidence, un besoin ?
Ah non, pas du tout. Alors, c'est vraiment complètement un hasard. Mon entrée dans les médias, elle se fait de façon totalement hasardeuse. Je rencontre une journaliste qui veut me faire écrire pour un journal à très très forte diffusion, mais je suis très loin de le savoir. Au début, je refuse en lui disant « Non, madame, moi, je n'écris pas pour des journaux comme le vôtre ou Modes et Travaux ou Le Chasseur français. » Et donc, elle m'a couru après pendant des semaines pour que j'écrive des articles dans son journal. Et c'est comme ça que je commence à rentrer dans le monde médiatique, mais vraiment de façon... Mais est-ce que devenir un ponte est un besoin à ce moment-là? Vous devenez un expert, un spécialiste renommée. Non, même pas. Et l'opinion la plus importante à l'époque, c'était celle de mes parents. Et ma mère n'a été flattée que d'une chose dans ma vie, c'est quand j'ai été l'invité d'honneur de Philippe Bouvard. C'est-à-dire que j'avais beau faire toutes les émissions de télé de la Terre, écrire des livres, être reconnu, avoir soigné la moitié de Paris, etc. J'avais été l'invité d'honneur de Philippe Bouvard. Pour elle, c'était le Graal. Donc je cherchais pas spécialement à être ça. J'essayais plutôt de faire bien mon métier. C'est ce qui m'a sauvé. Ça veut dire, je pense que c'est, par rapport à d'autres qui courent après ça, je pense que c'est la sincérité, l'amour des gens qui m'a vraiment porté. Et les gens ont reconnu ça et ils m'ont honoré, gratifié et donné beaucoup de choses. Mais c'est un hasard. J'allais justement y venir, Jean-Michel Cohen. Vous sortez ce livre « Et si on changeait tout » aux éditions First, qui parle de psycho, cadre de vie, bonheur, alimentation. Alors bien sûr, elle prend une place importante dans votre vie, mais pas que, puisqu'elle fait partie d'un tout pour vivre heureux, dites-vous. Vous en parlez dans ce livre-là. J'ai l'impression que c'est un livre un peu résilience, mûri, post-Covid, mais avec ce souci de sincérité, d'humilité que je relève en introduction, en conclusion de ce livre, avec la famille qui a une grande importance pour vous. Ah mais oui, la famille, elle m'a porté deux fois. Elle m'a porté une première fois parce que j'ai eu la chance, que je mesure encore plus aujourd'hui qu'avant, d'avoir des parents étonnants et incroyables qui se sont sacrifiés pour ma sœur et pour moi, comme jamais, je crois, personne ne peut se sacrifier. Quoi. Avec les petits moyens qu'on avait, moi j'avais tout. Mon père m'a payé une moto, une voiture décapotable, parce que les enfants, ils se rendent pas compte des problèmes économiques de leurs parents. Et ensuite, la famille que j'ai retrouvée avec ma femme, qui a été toujours ma directrice de conscience. Ça veut dire qu'elle m'a empêché de faire n'importe quoi parce que je savais pas dire non. Donc, elle m'a empêché de faire des émissions de télé nulles. Elle m'a conduit quand je prenais la grosse tête. Ça m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé. Elle me ramenait les pieds sur terre avec mes trois filles, la même chose, qui se moquaient de moi. Mais c'est délicieux aujourd'hui de raconter ça. Elle m'accueillait quand je revenais à la maison. Elle chantait une chanson, c'était « Les gens l'appellent l'idole des grosses ». Donc, et elle se foutait de ma gueule, quoi, ouvertement. Elles se sont toujours fichues de ma notoriété. C'est même encore aujourd'hui, je veux dire, elles s'en fichent. Je pense qu'elles ont envie d'exister par elles-mêmes, et c'est une très belle réussite pour ma femme et pour moi. On ne peut pas être la fille d'eux, et moi j'ai envie d'être le père d'eux, donc, et elles y arrivent en ce moment. Et que font vos filles? Alors, la première est une grande radiologue. Son premier livre, c'est assez marrant de voir la vie. Son premier livre va sortir en septembre, c'est un livre sur... les problèmes de cancer du sein ou de maladie du sein et l'esthétique, mais c'est vraiment une grande radiologue. Elle aurait dû être agrégée si elle n'avait pas eu un souci de vie avec un mari, je ne vais pas vous faire pleurer, qui est décédé trop jeune, mais la deuxième est pharmacien, elle s'éclate dans son métier, elle est extrêmement percutante, c'est une petite chef d'entreprise, très étonnant à voir, de voir sa capacité à gérer. Et la troisième a épousé un peu la voix de son père, donc la deuxième a épousé la voix de sa mère, la première la voix de son père, et la troisième, elle est journaliste et elle a un peu épousé le monde de son père, et elle est maman d'une nouvelle petite fille. Elle se comporte avec sa fille comme ma mère, comme ma femme se comportait avec ses enfants, c'est-à-dire extrêmement maternelle. Donc c'est très très beau à voir. Petite fille qui s'appelle Sacha. Sacha avec un S. Attention, sinon je vais me faire gronder. Donc et qui habite à Tel Aviv. Écoutez, c'est noté. On connaît au moins votre cadre familial qui a une grande importance pour vous, qui fait partie de ce bonheur. Et comme évoqué dans votre livre, il n'est pas seulement question d'un livre sur la nutrition attendue, mais sur le savoir vivre et vivre et savoir le faire. Vous tentez donc avec ce livre de faire changer notre vie, mais il s'avère, je crois, qu'il a aussi changé la vôtre d'une certaine manière, puisque vos habitudes ont changé en même temps que les pages se sont noircies. Oui, alors c'est assez étonnant. Quand j'ai commencé ce livre avec une page blanche, parce que je me demandais ce qui m'avait pris de vouloir écrire ça, je suis rentré dans le bouquin, et pendant deux mois et demi, j'ai vécu un phénomène assez étonnant, au point que mon éditeur me demandait si j'étais en train de me transformer en moine bouddhiste. Vous venez de parler de la famille, c'est pas seulement pour moi qu'elle est importante, c'est pour chacun d'entre nous, sauf que à différents âges de notre vie, on s'en rend pas compte. Je vous rappelle la période du Covid, au moment où on pouvait pas se voir les uns les autres, les visios avec la famille ou les amis avaient pris beaucoup beaucoup d'importance. Et là, vous vous rendez compte que la chaleur familiale, votre
passé qui est au travers et votre avenir qui est dans votre famille, ça a une importance fondamentale, beaucoup plus que les soucis du quotidien. Vous dites qu'avec le Covid, certains ont eu envie de changer du tout au tout, déménager, tout fracasser, alors que vous, vous pensez qu'il faut simplement changer un certain nombre de règles de vie et pas seulement ces petites choses. Ce que vous dites, c'est qu'il faut changer le fond plus que la forme. Oui, parce que mon interprétation, c'est que quand les gens ont voulu tout changer, c'était simplement qu'ils disaient qu'ils ne se sentaient pas heureux et qu'ils voudraient bien trouver des systèmes pour être plus heureux. Sauf que pour être plus heureux, ça ne veut pas dire qu'on doit tout changer et tout fracasser, ça veut dire qu'on doit procéder par touches, et c'est ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre. Alors j'ai été obligé de traiter de la nutrition, parce que je pense que tout le monde attendait ça de moi, mais j'ai été interpellé par des choses aussi étonnantes que l'habillement. Ça veut dire comment moi, nutritionniste, je viens à m'intéresser aux cosmétiques et à l'habillement, mais qui ont une importance très grande quand on veut modifier sa perception de la vie, par m'occuper également de l'environnement, y compris à l'intérieur de la maison, quand j'ai lu tout ce qui se rapportait au feng shui, etc. Et aussi sur le mode psychologique, quand j'ai regardé les philosophies hawaïennes, Ho'oponopono, où avec quatre mots qu'on incante toute la journée, merci, pardon, je suis désolé, et je t'aime, on arrive finalement à rétablir son cerveau dans un trip positif. Parce que finalement, la majeure partie des choses qui nous soucient dans la vie, c'est des choses pour lesquelles on devrait être plutôt négligent. Et par exemple, vous vous faites agresser en permanence au travail. En fait, d'abord, vous devriez essayer de peut-être d'avoir une version indulgente des choses ou une version compréhensive. Et ensuite, vous devriez savoir quel impact ça a sur vous. C'est-à-dire que vous luttez contre cette agression, mais en fait, c'est à vous que vous faites du mal. Donc tout ça, je l'ai recueilli dans ce bouquin en me disant, bah, finalement, c'est une forme de méthode. Alors ça intéresse les télés à l'heure actuelle qui sont en recherche de développement positif, de bien-être, etc. Mais en fait, c'est de dire, on peut faire changer quelqu'un positivement sans l'amener de Paris à patatouer avec les oies, ou sans lui faire changer de femme ou de mari, ou sans changer de boulot, mais juste en lui réapprenant un mode de vie centré sur lui-même. Alors, vous parlez notamment des habitudes, ces fameuses habitudes qu'il faut faire changer, qu'il faut faire évoluer, diversifier. Comment on fait pour changer une habitude finalement ? Parce que je sais que vous parlez notamment d'études faites sur des rats avec ces complications. Comment on fait pour changer ce qu'on a l'habitude de faire ? Il faut savoir que l'habitude, elle a été très bien décrite dans un bouquin américain qui s'appelle Atomic Habits. L'habitude, elle se crée sur la puissance d'un signal d'abord, puis ensuite de moyens, ensuite d'un objectif. Donc et on essaye dans les premiers temps d'abord de changer le signal. Autrement dit, c'est l'exemple que je donne dans le livre. Le monsieur qui fait pas de sport, on lui demande régulièrement d'enfiler des baskets et un survêtement. Et on lui dit, c'est pas grave si vous allez pas au sport, mais vous allez vous forcer à mettre les baskets et mettre votre survêtement tous les matins, jusqu'au jour où vous allez voir, vous allez aller marcher ou courir. Il va fabriquer le signal, il fabrique le moyen, et il arrive à l'objectif, c'est-à-dire se sentir différent, mieux, plus léger, etc. C'est ce qui m'était arrivé à moi-même, et c'est ce que j'ai raconté sur ma propre jeunesse. Donc, changer ses habitudes, c'est fabriquer un signal qui soit différent d'un signal précédent, et attendre simplement que l'opération de modification intervienne. Donc c'est un petit boulot à faire sur soi-même. Le petit boulot, est-ce que c'est la volonté ? Et finalement, quelque part, est-ce qu'il ne faut pas cette fameuse récompense ? Alors, la récompense, elle revient, c'est ce que j'appelle l'objectif, mais effectivement, c'est la récompense. Je dirais pas volonté, je dirais endurance. C'est un peu les termes que j'utilise dans les régimes, quand je donne des régimes. J'explique aux gens qu'il faut deux choses, il faut de l'indulgence et de la patience. L'indulgence, on doit l'avoir à l'égard de soi-même aussi. Ça veut dire pas de culpabilité. Exactement, ça consiste à améliorer son psychisme, justement, changer son langage, supprimer les mots négatifs, je suis crevé, j'en ai marre, je suis saoulé, j'ai envie de rien. Ça consiste aussi ça à affaiblir son psychisme. Alors, comment on fait pour le voir d'une manière plus positive? Vous savez, j'ai rigolé pendant des années quand j'étais en Israël, quand je voyais les Nachman. C'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, enfin je pense que beaucoup de gens savent, pour ceux qui ne savent pas, c'est ces personnes qui passent leur vie à être joyeux, à danser, à chanter. En fait, c'est une habitude de vie. Ça veut dire que plus vous vous forcez à être joyeux, c'est un peu comme le sourire, et à chanter et à être heureux, même si vous sentez pas que vous êtes heureux, plus ça va finir par vous rendre heureux. Mais c'est la même chose. Ça veut dire que vous devez avoir une pensée positive en permanence, c'est-à-dire penser à des choses bonnes. Endormez-vous avec quelque chose de léger dans la tête, pas en pensant à ce que vous avez fait dans la journée. Oui, il y a un travail à faire, mais c'est un travail qui aboutit à cette récompense, c'est-à-dire se sentir mieux et plus heureux. Avec cette méditation aussi dont vous parlez, on peut s'endormir avec ça. Vous le préconisez ? Oui, la méditation.
non, mais alors, sauf que la méditation, si vous voulez, c'est devenu un truc un peu ésotérique, genre holistique, etc. Donc les gens se disent, je vais pas m'asseoir jambes croisées en mettant mon pouce sur mes autres doigts et en rêvant. Oui, je vais alors avoir que ça, débile. C'est anecdotique. La méditation, c'est par exemple la cuisine. Quand vous cuisinez, par exemple, si vous faites un plat cuisiné, vous êtes concentré sur la façon que vous avez de créer ce plat cuisiné, vous anesthésiez votre pensée et vous pensez à ce que vous êtes en train de faire. C'est une forme de méditation, c'est ce qui m'amène aussi à parler en général de la cuisine en disant c'est pas juste un acte de nourrissage, c'est aussi un acte qui intervient sur votre psychisme. Vous parlez des cervologues, j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais. Je pense que vous parlez des psychiatres, des psychologues, ouais, de tous ces spécialistes. Ça a beaucoup choqué mes éditeurs. C'est vrai? Oui, oui. Ils sont très pudiques. Ils m'ont dit, oui, mais ça va être mal perçu, etc. Je dis, non, moi j'ai l'habitude de dire ça. Les cervologues, c'est-à-dire tous ces gens. Alors, il faut séparer le bon grain de l'ivraie, évidemment, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui se contentent d'écouter les autres et de dire que c'est ça l'essentiel du travail d'un psychiatre. Et il y a beaucoup de gens qui sont pas psychiatres et qui font croire qu'ils sont psychiatres ou psychologues ou psychanalystes. Mais à un moment donné, c'est pas parce qu'on vous laisse parler et qu'on vous laisse faire flotter votre pensée en vous disant que oui, il faut que vous pensiez à vous, que ça suffit. Ça veut dire, ça suffit pas, je veux dire. Moi, je pense que c'est surtout un moyen de faire passer le temps en attendant que ça marche bien. C'est un peu comme les médicaments. Je ne donne plus d'anxiolytique. Pourquoi? Parce que les anxiolytiques, ça endort un symptôme, mais ça ne permet pas de le changer, de modifier. C'est agir sur la conséquence et non la cause. Mais oui, bien sûr. Donc vous endormez les gens le temps que ça se passe. Mais sauf que ça les abrutit pendant ce temps-là. J'ai envie de vous poser cette question, Jean-Michel Cohen. On vient de me demander, et l'antidépresseur. Donc bien évidemment que ça va avec, je pense. C'est pas la même chose, parce que les antidépresseurs ont une action un peu différente que les anxiolytiques. Et on peut les donner dans les phases aiguës. Mais quand on donne des anxiolytiques pour casser l'anxiété de quelqu'un, on cherche pas à comprendre. L'état de dépression peut justifier d'un antidépresseur pendant qu'on fait le travail de compréhension et de modification. Mais il y a des situations aiguës. Par exemple, le gars qui vient de perdre quelqu'un de proche, qui a perdu son boulot. Moi, j'ai déjà eu des histoires comme ça. Qui a perdu son boulot, qui perd quelqu'un de proche, à qui son conjoint demande de se séparer, qui a plus d'argent, etc. Là, on est en phase aiguë, il faut lui éviter de faire une bêtise, par exemple. Jean-Michel Cohen, j'ai envie de vous poser cette question pour terminer déjà cette première demi-heure qui va très vite. Est-ce que vous pensez que post-Covid, il y a deux catégories de personnes, les optimistes et les pessimistes, celles qui ont médité sur elles-mêmes pour se transformer en fonction de ce qu'elles voulaient être et faire vraiment, et d'une autre part, celles qui tentaient de lutter tout en acceptant tout sans chercher à se remettre en question. Oui, vous avez complètement raison. Il y a les optimistes, c'est ceux qui ont profité du Covid pour replacer l'essentiel au cœur de leur vie. C'est ce que je vous disais, quand vous rassemblez tout ce qu'on a pu faire pendant le Covid, eh ben, les gens, ils ont marché parce que ils avaient le droit de sortir une heure, donc ils ont redécouvert le plaisir de la marche. Ils ont cuisiné parce qu'à 6 heures du soir, tout le monde se mettait devant la télé, enfin beaucoup, pour regarder Lignac et faire de la cuisine parce que ça les occupait. Ils ont appelé leur famille en visio. Ils ont, pour beaucoup d'entre eux, changé l'organisation de leur maison, rangé les placards, etc. Mais ces gens-là avaient des conditions de vie plutôt positives. Et il y a eu ceux qui l'ont vécu super mal et chez qui ça a aggravé les symptômes. C'est-à-dire que ça a créé un état de mélancolie encore plus puissant, parce qu'ils n'ont rien pu faire de tout ça, et c'est à ceux-là aussi que ça s'adressait, ce bouquin. Jean-Michel Cohen, votre philosophie de vie, c'est celle de Corneille, vivre chaque jour comme le dernier. J'ai donc envie de vous poser cette grande et vaste question. Êtes-vous heureux? Oui, à ce stade de ma vie, oui. Je n'ai pas toujours été heureux, mais à ce stade de ma vie, oui, très heureux. Et je lutte contre tout ce qui pourrait me rendre malheureux. Ah bah écoutez, je crois que c'est une petite phrase que votre petit-fils, je crois, vous a dit, quelque oui, chose comme ça. Il c'est m'a dit ça. Être heureux, c'est le contraire du malheur. C'est ça. Je questionnais un peu les gens autour de moi pour savoir ce que c'était leur perception du bonheur. Mon petit-fils, il m'a regardé comme si j'étais le dernier des idiots. Il m'a dit, être heureux, c'est pas être malheureux. Voilà. Et voilà. Bravo, Nathan. Tout simplement. Merci, Nathan. Allez, on continue à parler avec vous et de vous dans cette émission. Jean-Michel Cohen, auteur du livre Et si on changeait tout aux éditions First. Dans un instant, nos chroniqueurs nous rejoignent pour découvrir vos goûts culturels qui en disent long sur votre personnalité. En attendant, c'est le rappel des titres sur Radio J.